La peur vient du fait que vous ne vivez pas en lien avec la vie. Vous vivez dans votre esprit. Votre peur porte toujours sur ce qui va se passer ensuite. Ce qui signifie que votre peur porte toujours sur ce qui n'existe pas. Si votre peur porte sur le non-existant, votre peur est à 100% un produit de votre imagination. Si vous souffrez de ce qui n'existe pas, cela s'appelle la folie. Donc, il se peut que les gens soient à des niveaux de folie socialement acceptables. Mais si vous avez peur ou si vous souffrez de ce qui n'existe pas, cela revient à de la folie, n'est-ce pas? Les gens souffrent toujours de ce qui s'est passé hier ou de ce qui pourrait se passer demain. Donc votre souffrance porte toujours sur ce qui n'existe pas, simplement parce que vous n'êtes pas ancré dans la réalité. Vous êtes toujours ancré dans votre esprit. L'esprit, c'est une partie est de la mémoire et l'autre partie est de l'imagination. Les deux sont, d'une certaine façon, de l'imagination, parce qu'aucune des deux n'existe là dans le présent. Vous êtes perdu dans votre imagination, c'est la base de votre peur. Si vous étiez ancré dans la réalité, il n'y aurait pas de peur.